Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Les amis, on commence cette vidéo tout d'abord par vous dire de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important. C'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous êtes encore 80% des personnes à regarder cette chaîne YouTube, à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, voilà, aidez-moi à atteindre de plus grands objectifs. Par exemple, les 5 à 10 000 abonnés. Je vous en serai très reconnaissant. Et merci à tous ceux qui vont le faire du fond du cœur. Merci à vous. N'oubliez pas que dans la description, les amis, il y a deux Discord. Donc le Discord communautaire, qui est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut le rejoindre, tout le monde peut venir en vocal ou même parler dans le chat textuel. Voilà, c'est ouvert à tous, que vous jouez à Star Citizen ou non, que vous ayez le jeu ou non d'ailleurs. Vous pouvez venir, que vous ayez notre corpo ou pas, c'est disponible pour tout le monde, vraiment. On vous fera un grand plaisir de vous accueillir, donc n'hésitez pas à venir. Le deuxième Discord, les amis, donc c'est un Discord de la corporation de Star Citizen. Donc là, forcément, il faut ne pas avoir de corpo, avoir le jeu pour venir sur son Discord. Donc on recrute toujours, que vous soyez solo ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran, on recrute. Voilà, on vous apprendra le jeu, on essaiera de vous apprendre à vous débrouiller in-game. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Et la toute dernière chose, les amis, enfin l'avant-dernière chose, mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes RSI, vraiment c'est ultra important. La free play, il ne devrait pas tarder à arriver. Donc je compte sur vous pour mettre mon code de parrainage à la création de votre compte. Ça vous fait gagner 5 000 AUC en plus, et moi ça m'aide à atteindre mon objectif. Et un grand merci à tous ceux qui le feront, en tout cas, vraiment, sincèrement. Et dernière petite chose, les amis, n'oubliez pas que tant en temps, on est en live, que ce soit sur Star Citizen, sur Counter-Strike, même sur Ark, très prochainement. Donc, tous ceux que ça intéresse, les lives sont sur la chaîne YouTube, tout simplement. Parfois sur Twitch, mais plus sur la chaîne YouTube. Donc, les amis, on se retrouve pour cette vidéo, donc, encore une fois, en C2. C'est fou parce que j'ai l'impression de le sortir quasiment tout le temps, ce C2. Donc, on va faire un truc bien particulier. Donc, pour cette vidéo, on va essayer de se faire des millions d'AUEC. Enfin, des millions. Si on a de la chance, bien entendu. Parce que l'émission qu'on va faire, je vous explique, là, c'est vraiment vrai, en fait. Il y a pas, y a eu des tests qui ont été faits, il y a eu des trucs qui ont été faits. Et, en fait, vous avez une chance sur 10 de gagner le jackpot. Donc, ça veut dire vous allez le faire 3 fois, ça va être de la merde. La 4e fois, ça pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire, on parle de 10, 15, 20 millions par cargaison, d'accord? Donc, qu'on soit bien d'accord, les amis. Je vous dis ça, c'est pour vous, pour dès le départ de la vidéo, pour éviter que vous skippez à la fin pour savoir combien j'ai gagné. Parce que ça se trouve, dans cette vidéo, on ne gagnera rien, d'accord? Je ne peux pas lire dans l'avenir, hein, je suis avec vous au moment pile, au moment important, c'est maintenant, et du coup. Je peux pas vous dire si on a gagné beaucoup à la fin ou pas. Mais vu que je le redirai certainement plus tard, c'est pas grave. Tac, donc là vous mettez, vous cochez illégal. Vous allez dans mercenaries, les amis, et on va faire, comme vous pouvez le savoir, les missions Gone qu'on n'a pas actuellement. Donc ça fait un peu chier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur Crusader et on se trouve là-bas. A tout de suite, les amis. Là, je vous reprends avant que je décale. J'ai trouvé une mission Gone. Comment voilà, Vaughn, pardon. Parce que Gone, je sais pas trop comment on le dit, mais au pire des cas, voilà, vous avez compris. Donc là, c'est une tâche extrêmement difficile. Donc attention, pour les moins débrouillards d'entre vous, c'est une tâche très très compliquée. Très compliquée. Après, il y en a, je sais qu'ils arrivent en solo à toutes les faire sans problème. Je sais que moi, j'y arrive, mais j'avoue que c'est chaud quand même, tu vois. Je vais pas faire le mec, je suis un grand pilote ou quoi, mais elle est quand même ultra compliquée. Donc, on voit qu'on gagne 45 000. Donc, forcément, c'est du illégal. Donc, là, je sais pas si j'ai pas vu. Il y a le petit camaret. Il y a le camaret juste ici, en haut à droite. Donc, ça veut dire qu'on va se prendre des crime stats, forcément. Donc, si vous êtes smart, vous... Vous, tout simplement, faites en sorte que le camaret soit désactivé, comme ça vous prenez pas de crime stat. Moi, je le dis honnêtement, je m'en bats les couilles. Hein, j'ai vécu pendant très longtemps dans la criminalité, in-game surtout. Hein, j'ai réussi à passer une semaine à 15 jours en étant crime stat 5. Donc, pour moi, ça revient au même. Donc, les amis, on va dessus du coup. Forcément, le combat, je vous le mettrai en accéléré, je vous reprendrai à la fin du combat, ce qui me paraît
logique, ça pourrait être que ça dure trop longtemps pour vous, parce qu'un combat comme ça peut durer très longtemps. Et parfois peut même dépasser les 30 minutes, en tout cas. Ça dépend si les vaisseaux sont piqués en face ou pas. Parce qu'il y a des vaisseaux qui bug, parfois se régénèrent leur bouclier, leur truc dans genre. Voilà, c'est la merde. Donc écoutez, les amis, ce qu'on va faire, selon à combien j'ai atterri de la cible, 205 km, on se retrouve sur zone, les amis. Donc les amis, je vous reprends après ce petit accéléré et le petit fight que vous avez pu voir. Donc comme vous avez pu voir, c'est quand même assez énervé. Les combats sont pas gratuits, enfin sont pas faciles. C'est quand même assez énervé. Je vous prends parce que c'est le dernier du coup. Alors ne faites pas comme moi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je suis arrivé sur zone, j'ai direct quasiment tiré en fait. Ne les loquez pas, loquez-les avec le scan à la limite, parce qu'ils ne bougent pas, si vous ne les attaquez pas. Normalement, ils ne vous attaquent pas. Surtout quand vous venez de commencer, parce que là, bon,
Parce que ça va commencer à être compliqué. Ils vont vous attaquer. Mais dès le départ, dès la première, scannez-les. Et si vous voyez qu'ils ont rien qui vous intéresse, plus directement le mec de la mission, donc là lui en l'occurrence. Et puis c'est tout quoi, et puis varie où. Puis pas forcément tous les vaisseaux. Moi là je l'ai fait parce que bah du coup je les avais pas scannés avant comme un con. Enfin, je l'ai bien dit. Le plus mort, voilà, c'est quand même de les scanner avant. De voir ce qu'ils ont. Et s'ils ont, c'est intéressant ou pas. Après, malheureusement, il y a des moments où vous n'avez pas de chance, comme moi, où vous tombez sur un constellation qui était pas mal, parce qu'il y avait du fer, il y avait du des œufs, il y avait du cantanium, je crois, il y avait du slam. Donc, il y avait quand même quelques petits trucs intéressants, on va dire. Donc, attention, peut-être que dans le jump, là, il y aura des trucs intéressants, je ne peux pas vous dire. On va voir ça tout de suite, dès que j'ai fini le démolir. Mais voilà, scannez bien avant, faites pas les cons comme j'ai fait, moi comme par exemple, je suis arrivé comme un teubé, je me croyais en ERT, alors que non, c'est pas des ERT, enfin, même si ça s'en rapproche énormément, voire beaucoup. Petite strat aussi, je vous donne, quand vous êtes à... quand vous avez presque plus de bouclier, sur le bouclier par exemple de devant, derrière ou de côté, et que tous les autres sont quasiment full comme là, n'hésitez pas à désactiver le bouclier, oui c'est risqué, et à les réactiver. En fait, en gros, ça va rééquilibrer tous les boucliers, donc en gros, si lui de devant il y a quasiment pas, mais tous les autres sont blindés, bah ça va rééquilibrer tous les boucliers. Donc, n'hésitez pas quand même, voilà. Là, ils ont tout qu'on voit comme ça, hop, je désactive. Bon là, comme par hasard, ils se remettent à tirer sur moi. Hop, ça les enlève tous, quasiment. Et là, vous allez voir que lui de devant, il va être remonté. Voilà. Vous avez vu? Donc, je vous donne une petite astuce qui pourrait vous aider, parce que il va pas vous toucher, forcément, avec un seul shot. Hein. Je dis ça comme ça, hein. Il va pas vous toucher. Mais, si vous voulez prendre trop de dégâts, là, quoi. Moi, j'ai pris beaucoup de dégâts là-avant, parce que j'ai pas fait... pas fait gaffe. Et puis, quand il vous tire tous dessus, je vais pas vous mentir, que ça pique un peu. Bon allez, on se retrouve les amis dès que j'ai fini le coucher. Bon les amis, on se retrouve avec le F8 parce qu'il s'est passé plusieurs choses, dont une mort qui était la mienne. Donc la mission où j'étais contre le 890 jump, elle a bugué, elle a eu un petit problème, du coup pas impossible de descendre ses shields. Peu importe le vaisseau avec lequel on était, j'ai fait avec le C2, j'ai fait avec le F8. Et rien de chez rien ne lui a baissé les shields. C'est limite s'il me rigolait pas au nez. Donc je sais pas si c'est un bug ou c'est quoi, mais je sais que j'ai déjà réussi à le tomber plusieurs fois. Donc c'est bizarre que là je n'ai pas réussi. Donc au pire des cas c'était un petit bug. À savoir que j'ai fait deux autres missions. Et du coup bah, je vais arriver à court de temps pour cette vidéo. Malheureusement dans cette vidéo, voilà, faut que je vous montre aussi les côtés où quand on n'a rien. Mais là où je peux vous dire, là où je suis sûr au moins d'une chose les amis, c'est que vous avez un pourcentage de chance pour que ce soit rentable. Je ne dis pas que c'est rentable H24, je ne dis pas que c'est pas risqué, mais si vous arrivez à toucher le jackpot, vous l'avez. Donc, malheureusement, pour cette vidéo, en tout cas, on n'aura pas réussi, malheureusement, à se faire un petit peu de pognon. Donc, pour la prochaine vidéo, si j'en refais une sur ce style-là, voilà, 4.0, je pense pas, mais en tout cas, si j'en referais une dans ce style-là, j'essaierai de prendre à l'avance. Mais après, le problème, c'est que j'ai pas envie que ce soit, si ouais, c'est du fake, non. J'ai envie que vous me voyez prendre les caisses, en fait. J'ai pas envie que les caisses soient déjà dans mon vaisseau, sauf que le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Et rien que pour deux missions, trois missions, là, j'y ai passé presque une heure et quart, voire quasiment une heure et demie à cause du bug, peut-être, je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas, il m'a bien mis dans le mal, ce putain de bug. Mais donc, désolé pour cette vidéo, les amis, vous n'aurez pas la réponse en visuel. Faites-moi juste confiance sur parole. Vous avez une chance sur 10
d'avoir le gagne-pain. Quand je dis une chance sur 10, le prenez pas au pied de la lettre, les amis, d'accord? Vraiment, c'est un chiffre que je donne, mais ça se trouve, au bout de la quatrième, vous allez avoir des dingueries, voire la cinquième, voire la sixième. Là, malheureusement, on n'a rien eu, mais enfin, on avait eu des trucs dans le constellation, normalement, vous allez voir dans l'accéléré qui est passé juste avant. On aurait pu avoir quelques trucs, mais... Mais voilà, on n'a pas eu trop de chance. Même d'ailleurs, les autres missions que j'ai fait, il y avait des trucs, hein, je vais pas vous mentir, mais il y avait beaucoup de merde, telles que du fer, du cuivre, des trucs dans le genre. Il y avait un petit peu de flamme et de néo. Donc c'était pas. Ça, c'était pas dégueu, j'aurais pu le prendre. Mais c'était en quantité de 5, 6 SCU. Donc autant pas me faire chier, surtout que j'étais en réfute à ce moment-là. J'avais la flemme d'appeler quelqu'un et de revenir, ou même moi d'en revenir. Enfin, c'était un peu chiant. Donc voilà, les amis. Donc en tout cas, j'espère que malgré tout, ce petit tips vous aura plu. Les amis, on n'oublie pas de s'abonner, on lâche un petit pouce bleu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.